Honneur à vous, chers pèlerins. Honneur à vous d'avoir donné un hommage national et même international au Dieu caché sous les voiles sacramentels. Au terme de ce beau pèlerinage, cette procession, sans nul doute, a été l'expression d'un désir, d'une espérance enthousiaste, que le règne du Christ, dans la vie de nos nations, que l'argent et l'immoralité asphyxient, que le Christ règne dans la vie de chacun, dans nos foyers, dans toute la vie sociale. Cette procession, c'était un défi à la laïcité. Vous avez honoré, sur le trône d'adoration où il commande, où il parle, où il règne, dans l'Église et dans l'univers, un roi, le roi pacifique de nos âmes. Honneur à vous, chers pèlerins, l'Église est fière de vous. Les folies de la Révolution française ont voulu la mort de Dieu. Les soviets avaient voulu réitérer la même folie. L'autre révolution que fut le Concile Vatican II s'est attaquée au cœur de l'Église, le Saint-Sacrifice de la Messe, semant le doute sur la présence eucharistique. Et si nous évoquons le protestantisme, le jansénisme, c'est Jésus-Christ, c'est la présence réelle d'elle. Mais tant qu'il restera des catholiques comme vous, restera alors vraie la parole de nos saints livres au sujet de Dieu. Des milliers et des milliers le servent, des dizaines de mille et des dizaines de mille se tiennent debout devant lui. Ou plutôt, ils se tiennent, non pas debout, mais s'agenouillent.